Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci à Pierre parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, son plaisir vous avec vous. Pour l'autre numéro mise au point, merci à tout le monde qui a suivi nous en Haïti, coup à l'étranger. Eh bien, la mise au point aujourd'hui, il y a plusieurs points. Nous pourrons regarder. Et nous allons retourner très certainement sur la dernière conférence président au niveau Chambre des députés. Puisque après le nouveau bureau a été fini en place, bien n'était pas très difficile. Pour séance de fait, combien séance en patrivé continuer, puisque tu as gagné une discussion autour de Jean Commission et monté. Tu as pris gagner une deuxième séance, et là, il y a un député dans l'opposition, tu as pris soulever un point de droit. Ça, tu as pris pousser le président Chamnan Garimodo, député d'Elmar, eh bien, il mettait séance en continuation. Et là, tu as annoncé, demain, tu as pris gagner conférence des présidents. Information qui était une bonne nouvelle, tu as pris pour nous confirmer avec invité nous. Conférence présidentielle, ça, il n'est pas fini. Même si pendant tout le week-end, l'information qui a circulé, c'est faire comprendre qu'il y a des rencontres entre députés sous commission, pour filmer d'accord sur qui Jean commission a proposé et surtout sous Jean bureau, n'est-ce pas vrai, bureau commission a monté. Et ça a été clair, bon côté député qui n'a minorité, c'est une commission, c'est eux qui t'a doué. Des présentations, ce que le groupe majorité a pas d'accord. Finalement, qui côté nous aujourd'hui? Est-ce que la minorité avec la majorité arrivée mettait d'accord pour que la commission soit établie, composition soit claire, présidence du bureau commission soit claire et qui pourra permettre que Chamna arrive, fait travailler, à savoir, et garder qui sa gouvernement a fait, garder qui sa exécutif a fait, et ça n'est pas capable de contrôler l'action gouvernementale là. Et puis, n'est-ce pas, légiférer, Jean Constitution, mandé pour faire ça. On a pas quelqu'un pour nous faire une mise au point sur ça matin, avec très certainement une parlementaire 50e législature pour aller aider nous mieux comprendre qui ça a passé et qui ça prévoit semaine ça en termes de séance au niveau de la Chambre des députés. On a bien tout pour nous garder regard parlementaire ça sous premier l'année mandat. Et président de la République, Jovenel Moïse, c'est en 7 février 2017, Jovenel Moïse prêtait serment comme nouveau président du pays d'Haïti. 7 février, c'est pral demain. Yon l'année après, qui ça a changé, qui en réalité population y est. Au regard, promesse qu'en campagne, Jovenel Moïse est fait et, à population, pas billet. Et le président a dit pendant toute campagne, quand qui j'en promettait. Et rivière, soleil là, terre, moun ensemble, ça qui pourrait permettre de mettre l'argent dans la poche, la population de manger dans la secteur. Yon l'année après, côté nouillé par rapport avec tout ça, et qui sa perspective vieux t'a douillé, dans qui sens, n'est-ce pas vrai? Si il y a qui pour corriger, corriger la nouveauté, si il y a qui pour renforcer, et dans qui sens, ça t'a mieux fait, n'a pas le gain très certainement pour nous faire mise au point ça avec député Noirte. L'autre élément, et n'a pas le gain pour nous considérer dans le cadre d'émission ça, c'est route Thomas Zoa, pour le monde qui est habitué à fréquenter route ça, vraiment son tronçon très difficile, et vraiment ça, pile dans le monde de la population, pas suspendre, lever voie pour demander pour que la construction ça tourne en réalité, semble finalement, travaux publics, transport, communication, et bien pareil pour faire pause, premier wash, construction route ça, et toute disposition, t'assemblée prendre. Pour que la construction ça tourne en réalité. N'a pas gagné pour nous regarder tout ça avec invité nous matin. Dans qui point, combien de temps ça va durer après la première appel a fini à poser. Qui ça va impliquer bon côté TPTC pour que le travail ne pas camper dans la route. Est-ce que la population finalement capable de dire route Thomas après le fait. Voilà entre autres points pour l'aborder. Jeudi à la mise au point, restez avec nous. Et toi, si tu es réalisateur, nous prenons une pause et puis nous retournons avec invité nous matin. Voilà, nous retournons et tout point d'annoncer, nous allons aborder avec le député Thomas Zoa, M. Price Cyprien. C'est avec lui que nous allons faire l'émission aujourd'hui. Et député, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Vous connaissez le dossier, c'est un plaisir pour nous. Chaque coup, nous venons pour nous venir parler de pays, nous, pour nous parler de l'actualité, pour nous venir sous mise au point. Mm-hmm. Donc c'est un plaisir pour nous, ça, c'est très intéressant, surtout qu'aujourd'hui, nous avons pile bagaille pour nous parler. Oui, nous allons parler de prétexte émission, ça, c'est pour nous parler de pause premier pierre. Ou Thomas Zoa, on a obtenu ça longtemps, et vous avez fait promesse pendant la campagne, finalement, et commencé à gagner une bonne nouvelle. Nous allons regarder qui ça a contenu, bonne nouvelle, ça y est. Mais avant, et chef député, et si elle ne pas qu'à faire, ça qui passe.
Bon, finalement, hier, tu as eu une conférence des présidents. Moi, j'espérais que la conférence là bien sortie et qu'à partir de jeudi, on a capable de faire séance. Parce que sans conférence des présidents, ça, on va commencer avec le programme et la Chambre des députés. C'est vrai que ça prend un petit temps. Et tu as eu plus de difficultés pour te former commission, 20 commissions qui gagnent dans la Chambre. Tu as eu plus de difficultés pour faire partage et commission ça entre. Et groupe majoritaire là qui c'est APH et bloc opposition yo même pense que yo t'ai finalisé ça depuis semaine dernière et hier après-midi à 2h te gen en conférence des présidents pour commencer avec séance yo jodi a pa konn ki résultat qui est tombé hier après-midi vu que moi pas participer dans conférence des présidents ça veut dire que moi pas président commission ordinaire yo vers commission yo parce que nous connais moi même c'est dans ACP mieux et c'est le président ACP Haïti Mier, donc je ne vais pas participer dans la commission, dans la conférence là. Donc je pensais que hier après-midi, on finit avec tout le bagage et jeudi, on est capable de commencer la séance à partir de 11h ou midi, je veux dire. Comment comprendre les positions, bloc minoritaire, qui croit qu'il y a des commissions, c'est octadoué bien contrôlé, même parler de commission éthique anti-corruption, je crois que c'est eux-mêmes comme bloc dans l'opposition, octadoué bien contrôlé, commission comme ça. Bon, je pense que le grand problème et la caille nous-mêmes haïtiens, c'est que assez souvent nous voulons contourner la loi. Je pense que tout problème ça qui gagne dans la formation de la commission, c'est parce que le règlement intérieur n'est pas respecté et vous voulez faire monter la commission par consensus. Or, le règlement intérieur de la Chambre des députés a clair, il dit mais qui est en commission doit monter, c'est le député qui choisit. Commission pour aller et puis nombre de monde qui choisit dans la commission hein, ils ont même choisi bureau qui peut gérer la commission hein. Bon, de toute façon nous arrivons à avancer et quand même moi pense que l'année prochaine les pour monter commission a décidé pour appliquer règlement intérieur pas pour gagner tout problème ça yo, côté tout on a voulu pour prendre toute commission alors que donc on est que commission c'est au prorata du nombre de députés que on gagne en bloc. C'est à partir de cela qu'ils ont monté la commission. Parce que le monde dans l'opposition, au plein, il dit APH prend tout bas, il n'y a pas rien à mettre finalement, selon ça, on précise. Pas qu'à finir de dire ça, parce que l'opposition est vraiment minoritaire, parce que dans le temps, APH, aujourd'hui, il y a 72 députés, c'est normal pour gagner une majorité poste dans la commission. Au départ, c'était 14 commissions que APH était supposé gagner, parce que dans la négociation, avec l'opposition, APHB 13, qu'on a lâché 7 par l'opposition. Je pense que c'est normal. C'est normal. C'est vrai que et pour la bonne majorité de la démocratie, il y a toujours une opposition. L'opposition n'a pas bien satisfait. Mais je pense que la redistribution qui était faite pour le nombre de commissions, 20 commissions, et si 7 allaient par l'opposition et puis était 13 pour APH, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, il y a un petit plaintes pour les députés indépendants qui ont même tu crois que tu as des commissions que tu as dû vivre. Bon, c'est vrai que le règlement intérieur a parlé de députés indépendants. C'est normal, c'est normal. C'est vrai que pour la bonne majorité de la démocratie, il y a toujours une opposition. L'opposition n'a pas bien satisfait, mais je pense que la redistribution qui était faite pour le nombre de commissions, 20 commissions, et si 7 allaient par l'opposition et puis était 13 pour APH, je pense que c'est raisonnable. Maintenant, tu plains donc pour les députés indépendants, tu as même quoi tu as des commissions que tu as mis en bon, c'est vrai que le règlement intérieur a parlé de députés indépendants pour avoir une place dans la commission. Même parce que si on te baille chaque député indépendant, parce que indépendant tout bon, chaque indépendant, on peut avoir 5, 6 ou 7 députés indépendants, et nous ne sommes pas capables de briver, respecter ça, et les pourrata au nombre de députés qui, à travers et 4 blocs, en dévalement, en dans la Chambre des députés. Quand on avait dit là, nous sommes pour que les séances courent, et là, dans la Chambre des députés, à l'église des députés. En principe, je dis à ta supposée bien séance. L'autre élément, qui a des mandats, et le président Jovenel Moïse, c'est en 7 février 2017. Jovenel Moïse pétait seulement, et il prend le pays à, une année après, au gars, sous saleté digne en campagne, par rapport à ça, il y avait déjà fait pendant l'année de la campagne nationale. Là. Bon, c'est vrai que on n'est pas suffi pour mon guérir tout problème, toute maladie qui est en Haïti, mais nous avons dit que avec promesse, le président Jovenel Moïse a fait pendant la campagne, il a avancé très bien. Il y a une promesse caravane, caravane bien commencé dans la Tibonite.
et il y a des curages qui fait, il y a des routes en terre battue qui fait. Donc ça, c'était le premier pas caravane. Quand caravane descend dans le sud, il y a asphalté pratiquement toute route qui vient au Kay. Il passait dans la grande danse et dans les Iwa, il mettait lumière pour mon yo, quartier pas m'éclairé à marcher, avec usine asphalte que j'ai découvert que l'État a gagné, il a asphalté pas mal de routes, y compris dans Camperin, il y a des routes qui ont percé, par exemple Monchin.